pèse combien de temps? Enfin, par semaine, ça fait combien? Je pense que je cours au moins 3 heures par semaine. Ah ouais, ok. Ouais. D'accord. Donc, c'est... Au moins. Mais en quand dehors, je dis courir, c'est courir. Après, si... bon, sur le terrain, on court aussi. Donc... Oui. Ah, mais c'est un autre courir, rythme. Courir, cardio, ouais, c'est. Ouais. Comment? C'est un autre rythme cardio quand même, de courir sur le terrain. Bah, en fait, ça dépend à quelle vitesse on court en fait. C'est-à-dire que sur le terrain, des fois, je vais monter beaucoup plus haut que quand je vais faire un footing pendant une heure et quart pour récupérer. Donc ça dépend à quelle vitesse. Après, si je fais du cardio en running, bah, c'est pareil, je peux monter très haut aussi. Si je le fais sur la piste, ça dépend en fait des distances, de la vitesse. D'accord. Du coup, le running rentre complètement dans votre plan d'entraînement. Donc en fait, nous, avec le running tennis, rentre complètement dans nos phases de préparation et je dirais même qu'il est primordial et qu'il est super important. D'accord. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, en fait, pour le tennis, il faut avoir pas mal d'endurance. Il faut être très explosif, bien sûr, mais il faut avoir aussi beaucoup d'endurance. Et c'est vrai que le seul moyen un peu de faire progresser l'endurance, bah, c'est soit le running, soit la natation, soit le cyclisme. Enfin, c'est ce genre d'activité et c'est plutôt le running qui est le plus adapté finalement au tennis parce qu'on, c'est vrai qu'on on court quoi, sur le terrain de la même d'accord. façon donc, ouais. Ça vous permet après d'être mieux pour vos matchs. Et alors ce soir vous êtes pour qui? Ce soir je suis pour tout le monde moi. J'ai la chance pour tout le monde. Même pas une petite préférence pour Non, Paris. Non, j'ai pas de préférence. Bah, je suis pas né ici, j'ai pas de quartier. Enfin, pour l'instant, j'ai pas de préférence. Donc non, je suis pour tout le monde. Et puis j'espère que ça va bien se passer, surtout et que ça va être cool. Ils ont l'air s'éclater, quoi. Motivé. Et vous avez testé l'Ultra Boost? Ouais, alors moi je teste depuis des années déjà, parce que je suis à la base même de la première, ils m'ont dit « Ah, regarde, c'est super !» Et effectivement, voilà, c'est un super concept. Quand on a eu l'habitude de courir avec d'autres chaussures, bah, quand on arrive à ça, forcément c'est sympa, puisque c'est super léger, il y a ce système Boost là, on a l'impression qu'on rebondit un petit peu, et qui nous propulse. Donc non, c'est sympa, c'est des chaussures assez cool. Ouais.